Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. La Direction générale des impôts devra mobiliser pour l'exercice 2014 1588 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11,5% par rapport à la réalisation de 2013. Prévision annoncée aujourd'hui par son directeur général, Pascal Kouakou-Abinan, à l'occasion du séminaire bilan de l'exercice 2013. Il a précisé par ailleurs qu'un accent particulier cette année sera accordé à l'amélioration de l'action recouvrement et surtout à la réduction des arriérés fiscaux par la mise en place d'une politique de gestion maîtrisée. Samedi dernier, le conseil technique du président de la République en charge de la jeunesse et des sports, Touré Mamadou, a échangé avec les organisations de la jeunesse ivoirienne. Ils ont fait le point des initiatives du président de la République en faveur des jeunes en 2013 et les perspectives pour l'année nouvelle. On note, à en croire notre reporter, une satisfaction des jeunes de tous bords. Reportage. On aura l'occasion certainement de voir cet élément dans le 20h. On passe à l'actualité à l'étranger. En Guinée, Claude Cory Kondiano, député du RPG, le parti présidentiel, a été élu hier président de l'Assemblée nationale. Le nouveau président du Parlement guinéen a obtenu 64 voix sur les 113 votants et un bulletin nul. Aussitôt élu, il fixe les priorités de son mandat. À son domicile, ses partisans viennent le féliciter 24 heures seulement après son élection à la tête du Parlement guinéen. Mais Claude Cory Kondiano est déjà à l'œuvre. Le nouveau président de l'Assemblée nationale mène des consultations en vue de la formation du bureau de la Chambre prévue pour mercredi. Pour la première fois, il annonce ses priorités. Il y a un certain nombre de textes de loi qui nous attendent, notamment la Cour constitutionnelle et d'autres institutions urgentes qu'il faut mettre en place et peut-être des dossiers qui concernent le développement de la Guinée. C'est lundi, au cours de la session inaugurale de l'Assemblée nationale à Conakry, que Claude Cory Kondiano, 71 ans, a été porté au perchoir. Il a recueilli 64 voix sur les 113 votants. L'ex-banquier formé au Centre national des arts et métiers à Paris est un membre du RPG, le parti du président Alpha Condé. L'opposition met en garde le nouveau président de l'Assemblée nationale. Nous espérons que nos amis en face feront en sorte que l'Assemblée reste effectivement le lieu de débat et non pas une nouvelle structure qu'on va phagocyter au profit du pouvoir en place. L'Assemblée nationale, issue des élections du 28 septembre dernier, remplace le Conseil national de transition. Le CNT, mis en place en mars 2010, a officiellement mis fin à ses activités lundi au Palais du Peuple. Un moment de grande émotion pour ses membres et surtout pour les nouveaux députés guinéens. Il y a eu des jeunes qui se sont sacrifiés aussi lors de nos manifestations, qui ont été tués, certains blessés, d'autres handicapés à vie et qui ont donc donné de leur vie, donné de leur personne pour que ce jour arrive. Nous leur dédions cette journée. À Conakry, comme à l'intérieur du pays, les Guinéens se disent soulagés après l'installation de leur nouveau Parlement. Ils souhaitent que les députés de la majorité et ceux de l'opposition travaillent main dans la main pour permettre à la Guinée de décoller économiquement et de s'enraciner dans la démocratie. En République démocratique du Congo, la MONUSCO ne laissera pas les rebelles du M23 reprendre leurs opérations et va poursuivre son offensive contre deux autres groupes armés, a affirmé hier le représentant spécial de l'ONU en RDC devant le Conseil de sécurité. Selon le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU sur le Congo, les recrutements se seraient poursuivis en faveur du M23 après sa défaite militaire. En Égypte, le référendum sur la Constitution se déroule sous tension entre le pouvoir contrôlé par l'armée et les partisans des frères musulmans. Une explosion s'est produite au Caire peu avant le début du vote. Une bombe de faible puissance a endommagé la façade d'un tribunal au Caire ce mardi, 2 heures avant le début du référendum constitutionnel. Un scrutin qui s'apparente à un plébiscite pour le chef de l'armée qui a destitué le président Mohamed Morsi. Le général Abdel Fattah al-Sissi, vice-premier ministre, ministre de la Défense et véritable homme fort du pays, a en effet déclaré samedi qu'il se présenterait à la présidentielle prévue en 2014, si le peuple le réclame et si l'armée soutient sa candidature. La Tunisie a fêté ce mardi le 3e anniversaire de la chute du régime de Ben Ali, détonateur du printemps arabe, mais l'adoption de la nouvelle constitution promise pour cette date symbolique n'était plus concevable en raison de disputes politiques.
Les dirigeants tunisiens ont participé ce matin à une brève cérémonie de levée du drapeau, place de la Kasbah à Tunis, où siège le gouvernement. Le président Mansef Mazouki, le premier ministre démissionnaire Ali Larayed et son successeur désigné Mehdi Djoma y ont participé, accompagnés de hauts responsables politiques et militaires. Et on termine avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a appelé hier les dirigeants irakiens à régler à la source le problème des violences en Irak, où d'importantes zones urbaines échappent au contrôle des autorités depuis près de 2 semaines. « J'exhorte les dirigeants du pays à régler les problèmes à la source », a déclaré Ban Ki-moon à son arrivée à Bagdad pour une visite de 2 jours. « La situation sécuritaire en Irak est sans aucun doute une source de grande préoccupation », a déploré M. Ban Ki-moon lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki, se disant très préoccupé par l'escalade de la violence dans la province d'Al-Anbar. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.